This isn't over yet. Centrovitz desperate to get a first Olympic medal, but McLoofy's coming on the outside. Asbel Kiprop's tying up. It's not going to be Kiprop's day. Centrovitz can sense glory, but McLoofy's coming. Can he hang on? Centrovitz is the Olympic champion. La première fois que j'ai vu cette course, c'était en 2016, je courais depuis seulement 2 ans et sur le moment, j'avais pas compris grand chose. Ce jour-là, le 20 août 2016, Matthew Centrovitz est devenu le premier américain à remporter l'épreuve du 1500 mètres depuis Mel Shepard en 1908, ça faisait quand même 108 ans. Lors de cette finale, Matthew Centrovitz, il l'a emporté en 3 minutes 50, c'était le temps le plus lent depuis 1932, et devinez quoi, à cette époque, le record du monde était de seulement 3 minutes 49. En 2016, le record était de 3 minutes 26, record qui tient toujours en 2022 et que Jacob Ingebretsen va probablement essayer de battre. Dans cette vidéo, je voudrais revenir en fait sur ce que je considère comme une des plus belles courses tactiques de 1500 mètres. On va essayer de comprendre comment Centrovitz, qui était loin d'être le favori, hein, il a réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium. Et pour m'aider dans mon analyse, j'ai fait appel à Charles, un des top coureurs canadiens sur 1500 et 5000 mètres. Cette année-là, donc en 2016, Charles avait atteint les demi-finales aux Jeux de Rio et il a déjà couru plusieurs fois contre Centrovitz. Je m'excuse pour la qualité audio de la voix de Charles qui n'est pas top top et j'espère que ce nouveau format vous plaira, c'est parti. Donc avant que la course commence, j'avais envie de vous montrer un petit classement théorique que j'ai fait qui est en fait basé sur les meilleurs chronos qui avaient été courus par ces 13 coureurs juste avant Rio. En théorie, Centrovitz, il aurait dû finir 8e. Et des gros noms comme Asbel Kiprop, comme Ronald Quemoy, comme Taoufik Makloufi auraient dû finir sur la première marche du podium. Donc on va essayer de comprendre ensemble dans cette vidéo comment on a pu défier autant les pronostics et vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc c'est parti, départ de la course. Je vais souvent mettre pause pour expliquer des choses. Si vous voulez vous regarder la course en entier avant ou après, je vous le conseille. Comme ça, vous aurez moins de coupures. Mais vous allez voir que le fait de la décortiquer comme ça, ça va vraiment nous permettre de mettre en avant certains éléments et que vous pourrez aussi appliquer dans vos courses. Vous n'êtes pas obligé de faire du 1500 mètres pour appliquer ces choses-là. Même sur du semi-marathon ou du marathon, il y a certains concepts dont on va parler dans cette vidéo qui peuvent être super pertinent pour optimiser vos chronos le jour de la course. Donc là on a un départ super rapide, c'est souvent le cas sur 1500 mètres, ça part très très vite et là où j'aimerais attirer votre attention c'est que les 5 coureurs qui ferment le peloton sont en fait les 5 favoris. Donc là on a les 5 meilleurs coureurs qui sont partis derniers, donc on a Kiprop, Suleiman, Iguider, Quemoy, Makloufi. Et sur une course aussi importante, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais j'ai le feeling que c'est vraiment risqué. On pense par exemple à Mo Farah qui, cette même année, donc dans les JO de Rio, était tombé dans la finale du 10 000 mètres. Bon, il avait quand même réussi à faire le doublé hein, cette année-là, 5 000, 10 000. J'ai demandé à Charles ce qu'il pensait de cette stratégie de partir en dernier, surtout quand on fait partie des favoris. Surtout dans les championnats, encore plus que dans les courses de saison. La position est extrêmement importante. Ça fait toujours en sorte que le premier 100 mètres, t'es pas loin d'un sprint maximal. Alors, le premier 100 mètres dans cette course-là, il va être à peu près en 12 secondes, juste parce que tout le monde veut avoir sa place dans le peloton. Pour donner une idée, là, le pace de 3:30, c'est 14.0 secondes. Donc, il y a certains coureurs, puis on a vu Jacob Ingebrigtsen faire ça aussi, qui prennent comme décision de partir complètement en arrière pour le premier 100 mètres, juste parce que le peloton, ce qu'il fait, c'est qu'il part en 12 secondes, après ça, il ralentit à 14, 15, 16, 17 secondes au 100 mètres suivant. Ceux qui vont à l'arrière, ben c'est simplement pour essayer d'avoir un rythme un peu plus constant. Si le premier 100 mètres est extrêmement rapide, le plus important, c'est de rester relax, bien relâché durant la première partie de la course. Et ça, c'est vrai, encore une fois, pour toutes les distances. Donc là, on pourrait se dire que les favoris, ils auraient tout intérêt à vite remonter le peloton. Toutefois, dans un 1500, on n'a que 2 ou 3 cartouches max. J'aime beaucoup cette notion de cartouche et c'est justement Charles qui me l'a apprise. Essayer de changer de position tôt dans une course, ça sert à rien. Ça va juste te dépenser de l'énergie ou des cartouches que tu n'auras pas plus tard dans la course. Si tu t'es placé en milieu de peloton, après 100-150 mètres, ben là, ce que tu me dis, c'est vraiment juste relax le plus possible, reste debout, puis sois prêt pour quand ça va décoller. Ce qui est intéressant de voir dans le peloton, c'est que globalement, le peloton il est divisé en deux. À l'avant, il y a les coureurs un petit peu plus lents qui sont peut-être plus denses, donc il y a potentiellement plus de risques de chuter.
Et à l'arrière, il y a les coureurs favoris, donc plus rapides, qui sont plus espacés, qui ont plus de place. Donc on pourrait croire pour le moment que les coureurs qui sont partis derrière ont fait le bon choix. Mais on va voir que c'est pas vraiment le cas. Aussi, on pourrait se dire que les favoris, ben là, ils auraient tout intérêt à vite remonter le peloton. La règle générale pour n'importe quel coureur qui va prendre le départ dans une course, qu'elle soit stratégique ou non, c'est que les deux premiers tours, ça doit être le plus relax possible, ça doit être sans effort. À moins que ton plan soit définitivement de prendre les devants tôt et de pousser le pace tôt, n'importe quel coureur va juste avoir comme focus de courir le plus relax possible pour les deux premiers tours. Donc là, il passe le 300 mètres. Premièrement, c'est ultra lent. Deuxièmement, sans trop, c'est lui qui impose le rythme. Okay, il est parti vite, puis directement, il s'est placé dans le premier couloir. Et on pourrait se dire que ce serait facile de le dépasser et d'imposer un rythme plus rapide, que ce soit notamment pour les derniers du peloton. Vous allez voir que, en fait, Centro va faire un job de dingue où il va justement essayer de conserver cette place dans le premier couloir en courant le plus lentement possible. Et lui, il dépense presque pas d'énergie, si ce n'est la charge cognitive de devoir être vigilant que quelqu'un veut passer dans le deuxième couloir. Alors là, premier tour, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de chrono, mais le premier 400 mètres est couru en, écoutez-moi bien, 1 minute 06, juste sous les 1,7 en fait, c'est du 2 minutes 46 par kilomètre. Alors ça peut paraître rapide, mais pour des coureurs de ce niveau-là, c'est extrêmement lent. Ça équivaut à un chrono de environ 4,09 sur 1500, donc quand on sait que ces mecs-là peuvent courir autour de 3,30, on réalise que c'est pas de la marche, mais ça n'en est pas loin. Le truc qu'il faut voir aussi, c'est que McLoughlin, c'est le seul des 5 qui était parti en arrière à être remonté dans le peloton assez rapidement. Donc on va voir à la fin si ça a payé ce move de McLoughlin. Donc là, on voit que Musagala, l'Ougandais, il a failli tomber. Hein. C'est ce qui arrive quand le pack il est aussi dense, quand le pack il est aussi lent. Les coureurs, ils se piétinent, ils se poussent, la tension elle est maximale. Et les coureurs, ils doivent être ultra vigilants aussi, car sur un 1500 mètres, la chute, elle est souvent fatale et on va voir qu'une chute, il va en avoir une dans ce peloton. Là, je fais une pause parce que à ce moment-là, il y a un move qui est super important dans la course. C'est Kiprop qui va le lancer. C'est peut-être le moment clé de cette course, de cette finale où beaucoup de choses se sont jouées. Je vous mets un tout petit peu en arrière pour bien mettre votre attention sur Kiprop vers 1 minute 49. Là. Donc vous allez voir, Kiprop, il décroche, il fait une grosse accélération. Là, il se dit « Let's go, faut remonter le peloton » et vous allez voir qu'il y a un effet cascade, on se le remet, hop, en ralenti. Donc Kiprop décide de remonter subitement le peloton, il se décale sur le deuxième couloir et accélère progressivement, sauf que Suliman et Guider, ils veulent pas se laisser passer, au même moment, ils décalent et ils font tomber Quemoy, qui chute mais se relève très très vite. Et là, clairement, tous les coureurs, donc Guider, Quemoy, Suliman, ils se sont grillés beaucoup d'énergie dans cette petite bataille, même si l'allure est très lente. Bill Kiprop a dominé tout le monde sur le circuit toute l'année, puis c'était favori clair pour cette course-là, puis il n'est même pas arrivé dans le top 3. Mais on le voit pendant la course, il donne 3 coups à 3 moments différents dans la course pour essayer de remonter dans le peloton. Puis il n'est pas capable de le faire. T'sais, comme dès qu'il remonte, il y a quelqu'un d'autre qui fait un autre move pour contrer le move qu'il vient de faire. Donc lui, même s'il était plus ventueux, plus en forme que n'importe qui cette journée-là, le fait d'avoir fait 3 moves, donc 3 accélérations notables pour essayer de se déplacer dans le peloton, ça fait qu'il n'y avait plus de jambes à la fin. Donc ça sert à rien de dépenser ces espèces de cartouches-là tôt dans la course, parce que tu en as 1 ou 2 max que tu peux avoir dans ton 1500. Puis si tu fais une accélération tôt dans la course, mais à la fin, quand tout le monde va changer de rythme, tu n'auras plus rien. C'est comme un jeu d'échecs un peu. Les gars à l'avant, clairement, ils n'ont aucun intérêt pour aller plus vite. Puis eux autres, ils ne savent pas ce qui se passe en arrière. Puis eux autres, ils n'ont pas à réagir tant qu'il n'y a pas personne en arrière qui fait un move vers l'avant. Puis c'est les gars qui sont en arrière, comme là, qui étaient Kiprop, Suliman, puis Guider, que là, ils se sont dit, le rythme est un peu ridicule, puis on n'est pas en bonne position, donc ce serait le temps qu'on remonte. T'sais. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il y a la cascade d'événements, puis que Quemoy tombe, parce que tout le monde a réagi un peu en même temps au mouvement de Kiprop. Puis là, ça fait en sorte que
C'est ça, il y a eu du, ça a trébuché avec tout le trafic. De son côté, Kip Rupp, il continue sa remontée. Il passe de la 13e place au groupe de tête en moins de 5 secondes, un peu comme Charlie Grice avait fait juste avant. Et c'est, à mon avis, un move qui va vraiment lui coûter cher, comme les autres coureurs qui ont dû se battre pour quitter le fond du peloton. Et pendant ce temps-là, Centrovitz, le plus malin de tous, hein, il court dans le premier couloir depuis le début, il n'a pas grillé de cartouches et globalement, il a vraiment économisé son énergie. Et là, c'est un peu ce que je me demandais, est-ce que c'était vraiment le meilleur moment pour faire un move à même pas 800 mètres de la course? On va voir ça avec Charles. La meilleure position, le cas où une course est très lente, c'est où Centro puis Willis ils sont présentement, c'est en avant, prêt à donner vraiment un bon coup à n'importe quel moment. Kip Rupp, lui, il a fait un peu moins que la moitié de la course en dernière position, mais il sait que sur un sprint final où tout le monde va rentrer en dedans de une seconde et demie, sa stratégie sur le moment, c'est juste de vouloir remonter, c'est de vouloir se positionner prêt pour le dernier tour. C'est que ça va pas vraiment plus loin que ça. C'est pas tant qu'il veut accélérer le rythme, c'est juste que quand tu sais que ça va être une course extrêmement lente, de partir à l'avant versus l'arrière du peloton, il y a un désavantage clair à partir de l'arrière du peloton. Donc là, Quémoy, il a rattrapé le pack très rapidement et c'est l'avantage quand le pack est assez lent dans une course tactique comme ça. Deuxième 400 mètres couru en 69-77, juste sous les 70 secondes. C'est du 2,53 par kilomètre, c'est encore plus lent que le premier tour, c'est à peu près 4 minutes 20 sur 1500 et le 800 mètres en 2,16-59. Pour ceux qui savent, vous savez, c'est assez lent pour des coureurs de ce niveau, surtout pour une finale olympique. Donc là, vous allez voir Suliman sur l'extérieur, il va essayer de prendre le lead. Okay, donc il court dans le deuxième couloir et là, il dit, ok, Centro, j'en ai marre que tu leads la course, mais je sais pas si vous avez vu, Centro, c'est absolument pas laissé faire, il lui a mis un petit coup de coude, mais juste ce qu'il faut pour pas être disqualifié, puisqu'il l'a pas vraiment fait obstacle ou quoi. Et là, Centrovitz, il accélère un peu, il l'écarte, et Suliman, il s'est grillé une cartouche ou une demi-cartouche. Centro, il joue vraiment bien son jeu, puisqu'il accélère toujours ce qu'il faut pour pas les laisser passer, mais sans faire des accélérations soudaines comme les autres sont obligés de faire parce qu'ils arrivent par derrière. Donc il joue un peu des coudes, il accélère, et tout ça pour garder sa position hyper confortable du premier couloir. Et comme Suliman, il vient déjà de remonter tout le pack, bah, il a perdu pas mal de force dans la bataille, et en plus il court dans le deuxième couloir, du coup il fait plus de distance, et là il perd son premier duel face à Centrovitz, il y en aura d'autres. Et quand on regarde la course avec nos yeux de coureur plus amateur, on pourrait se dire que bah, Suliman, il aurait pu facilement passer Centro, pourtant... Je l'ai vécu parce que j'ai déjà couru à l'extérieur de Centro, puis j'ai déjà essayé de le passer, puis il m'a fait le coup. Puis c'est vraiment pas tous les coureurs qui sont capables de faire ça. Puis moi, j'ai déjà été dans une position où j'essayais de me protéger puis de contrer n'importe quel coup qui viendrait de quelqu'un sur mon extérieur. Je me faisais toujours avoir. Si quelqu'un venait avec assez de détermination puis avec un assez bon rythme, il y a beaucoup de situations où cette personne-là passait puis j'ai pas nécessairement été capable d'avoir le temps de réaction nécessaire pour le contrer. L'espèce de temps de réaction entre je vois quelqu'un qui arrive puis de se donner la commande par le cerveau qui voit quelqu'un puis de la faire aller aux jambes pour que les jambes répondent puis qu'ils poussent au bon moment juste pour contrer l'autre personne. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Puis il n'y a pas beaucoup de monde sur la planète autre que Centro, du moins dans cette année-là, qui était capable de faire ça. Suleiman ne passe vraiment jamais parce que Centro, à chaque fois que Suleiman donne un coup, Centro en donne assez pour que jamais Suleiman puisse passer. Suleiman, tu es rendu là, il fait déjà une grosse accélération puis il brûle des cartouches, là. Mais le coup qu'il aurait fallu que Suleiman donne pour qu'il puisse aller en avant de Centro sans couper la foulée de Centro puis sans créer une chute majeure, ben, il était pas capable parce que Centro a toujours été capable d'en donner juste assez pour rester à l'intérieur. Bon, Suleiman, il se réessaye. Il se dit, ok, j'ai pas réussi cette fois-ci, j'y vais avec plus d'aplomb. Et là, il lâche une plus grosse accélération et il passe devant Centro, d'accord? Donc là, Suliman, à ce moment-là, il fait un bon move. On peut se dire, c'est bon, la course est jouée, Suliman va réussir à lider cette course au moins jusqu'au dernier 400 mètres. Et c'est là où il va avoir un move de génie de la part de Centrovitz, ce qui est selon moi le plus beau move de la course, bien qu'il en ait fait plusieurs. Vous allez voir, on va se le regarder une ou deux fois parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et hop, petit trot de souris. Moment de vigilance qui a baissé du côté de Suliman. Centrovitz fait une accélération nette, il le passe comme ça. Ok ? Donc on se le remet en ralenti parce que honnêtement, ce move, il est juste magique. Centro le laisse aller et c'est là où il est vraiment malin. Il fait mine de « je suis plus capable ».
Et en fait, Centro, il va prendre le moment de vigilance KBC pour juste se faufiler, l'écarter comme ça et passer dans le trou de souris. Vraiment magnifique. Chapeau à Centro d'avoir eu l'espèce de guts puis la rapidité de là, dans le fond, il y a eu la clarté puis la rapidité d'esprit de juste se dire « Si je pars pas là, je vais me faire engloutir par le peloton. » Ça, c'est toutes des décisions qui se passent là, en une fraction de seconde. Dans une course, tu as plusieurs décisions à prendre à plusieurs moments. Puis, c'est le genre d'affaires que si tu hésites, tu perds ton moment. Puis lui, ça, c'était vraiment un move un peu ambitieux à faire, mais il n'a pas hésité puis y aller. Moi, j'ai toujours trouvé que les gens, ils donnaient pas assez de crédit à Centro pour la course qu'il a faite cette journée-là. Parce que d'être à l'intérieur comme ça, puis de toujours réagir à chaque move qui est fait sur son épaule droite, donc aux gens qui essaient de passer à côté de lui, puis que lui est toujours capable de donner juste assez pour pas que personne passe. Puis ça prend énormément de vitesse. Centro, il a une capacité de réaction absolument phénoménale parce qu'on voit que avant que Suleiman passe, Blankenship était en avant de Suleiman, puis Suleiman est passé à côté comme si de rien n'était. Blankenship n'a pas été capable de juste donner un petit coup pour que ça devienne trop difficile pour Suleiman de passer. Tandis que Centro, tout au long de la course, il y a toujours quelqu'un qui pousse, mais il est capable d'avoir le temps de réaction nécessaire pour, du coin de l'œil, juste voir qu'il y a un risque ou quelqu'un qui s'attaque à lui, puis pouvoir répondre avec un coup. Puis ça, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile à faire. On sous-estime vraiment cette capacité à être capable de faire ça. Puis c'est quelque chose que Centro, on l'a discrédité souvent, puis on a dit qu'il a gagné une médaille d'or dans une course stratégique, mais il n'y a pas beaucoup de coureurs dans le monde qui ont son niveau d'alerte, puis qui ont son niveau de réponse à un risque qui arrive. On va faire un petit retour en arrière parce qu'il s'est passé autre chose dans le pack à ce moment-là, ok? Pour vous montrer le move de Quémoy qui était tombé hein, plutôt dans la course, je vous le rappelle, et il va tenter une grosse accélération pour rejoindre la tête de course. Donc là, regardez le fond de peloton, dans le couloir 2 voire 3, Quémoy va faire un gros move qui va être son deuxième move en fait avec son rattrapage de peloton quand il est tombé. Ok, donc là, Quémoy, on se dit, il remonte le pack, sauf qu'il est dans le troisième couloir, il fait beaucoup plus de distance, et ça va pas se passer comme il veut. Donc au moment où Quémoy décide de faire un move, bah t'as encore Kiprop et Yider qui décident eux aussi de remonter le peloton. Là, ils savent qu'ils arrivent dans le dernier 400 mètres, donc ils ont plus vraiment le choix. Parce que si au dernier 400 mètres, t'es trop derrière, même si tu closes super fort, t'as aucune chance de rattraper en fait les premiers, surtout s'ils ont dépensé moins d'énergie que toi. Donc là, le pauvre Quémoy, il a grillé pas mal toutes ses cartouches selon moi, et Suleiman, à mon avis, il a un petit peu perdu aussi la bataille, et c'est ce que Charles justement va nous expliquer. Suleiman ne move que fait de 800 à 1100 à faire, il a quasiment rien donné parce qu'il est allé à l'avant, puis là, le peloton l'a réenglouti encore. Fait que dans une course comme ça, t'as pas des cartouches à l'infini. Fait que si tu fais un move vers l'avant, faut que tu sois capable de garder cette avance-là ou cette position-là à l'avant. Parce que du moment que le peloton te réagoutit, ben là, tu perds ton rythme. Ça veut dire que tu perds ton momentum. Ça veut dire que t'as plus de chances de tomber en lactique. Toutes ces conditions-là font en sorte que tu n'auras pas un finish le plus fort possible sur le dernier 100 mètres. Là, c'est le dernier tour. OK? On est à presque 3 minutes de course. Ils ont passé le dernier tour en 55 minutes 41. Là, on est sur un autre rythme. On est clairement sur un pace record du monde sur 1500 mètres. Pour vous donner une idée, on est à peu près lancé à 26 km/h. C'est énorme. À partir de là, c'est pas le plus rapide qui va gagner. À partir de là, c'est plutôt un mélange entre celui qui est le mieux placé, celui qui a dépensé aussi le moins d'énergie dans la course, parce que tous ces coureurs, bah, ils sont du même calibre et ils sont capables de finir à peu près dans les mêmes vitesses sur un dernier 400. Donc là, regardez Kiprop. Kiprop, il va lancer sa troisième accélération, sa troisième cartouche, son troisième move. C'est assez impressionnant comme il va remonter le pack, mais il faut aussi considérer que, à mon avis, il grille ses dernières énergies et qu'il n'aura pas forcément cette énergie pour justement finir fort dans le dernier 100 mètres. Donc vous voyez, il remonte le pack avec une aisance assez déconcertante. Il faut quand même imaginer que le pack il est lancé à plus de 26 km/h. D'ailleurs, je pense que Charles est d'accord avec moi pour dire que Kiprop devait probablement être dans une forme incroyable pour faire ce move-là à ce moment de la course. Complètement dépasser tout le monde à l'extérieur à cette haute vélocité-là. C'est vraiment une preuve qu'il est plus en forme que tout le reste. Mais tu sais, il est humain aussi, là. Dans le sens qu'il y a dans le deuxième tour, il a fait un move pour essayer de passer à l'avant. Il s'est fait remanger par le peloton
direct, direct. Après ça, avec 500 mètres à faire, il a donné un autre coup pour essayer de remonter dans le peloton, mais c'est en même temps que Iguider et tous les autres gars dans le peloton. Puis Quemoy, il faisait ça aussi. C'est, il a fait en même temps que tous les autres donner un coup pour essayer de passer à l'avant avec un tour à faire. Puis là, finalement, il s'est trouvé un trou avec 300 mètres à faire pour shifter tout le monde à l'extérieur. Fait que lui, c'est son troisième move, mais il lui reste 200 mètres à faire, là. Fait que pendant ce temps-là, il y a du monde dans le peloton comme Nick Wiss qui court sur l'intérieur. Oui, ils sont dans le peloton, mais en même temps, ils sont protégés, ils font juste suivre, ils courent le moins de distance possible. T'sais, quand tu es dans un peloton comme ça, puis ça va super vite, puis tu casses pas, là, que tu es capable de suivre, tu as la capacité de suivre, tu conserves beaucoup d'énergie. Puis habituellement, quand il y a une ouverture qui arrive, Willis n'est pas dépensé d'énergie en étant en même peloton dans toute la course. C'est que lui, il attend juste son trou pour donner un coup. Tandis que Kiprop, il est déjà à son troisième coup. Alors, il y a des gars comme Willis, McLuffie, qui ont été dans le peloton toute la course, ils ont donné aucun coup, mais Kiprop, il est en avant, mais c'est son troisième. Tu peux pas faire un nombre infini de niaiseries, même si tu es vraiment meilleur que les autres, parce que ça va te rattraper éventuellement. Mais au final, ça ne suffit pas, Kiprop n'arrive pas à se positionner devant Centrovitz, puis là, il s'est grillé quand même une grosse cartouche. On voit d'ailleurs que Centrovitz, il est beaucoup plus relax que la plupart, hein. Il a dépensé beaucoup moins d'énergie. Donc là, il reste 200 mètres. Centrovitz, il a un super momentum. On voit qu'il force pas tant que ça. Il a une foulée très rasante. Il est plutôt en contrôle, épaules relâchées. L'opposé avec Souliman, qui est vraiment à l'arrache, ou même Iguider. Hein. Par contre, McLaughlin, il a vraiment un excellent momentum. Il est rapide, relâché, bien coordonné. Juste dans le dernier 150, on le voit, comment McLaughlin a plus de momentum puis a une meilleure vitesse que Centro. Mais on voit à quel point, comment, juste à la fin de la courbe, McLaughlin va plus vite, mais Centro continue à prendre l'avance sur lui juste parce qu'il est à l'intérieur. Donc là, il reste environ 100 mètres avant l'arrivée. On se dit que tout est possible. Centrovitz, Iguider, Kiprop, McLaughlin, Nikoulis et Souliman pourraient gagner. Sauf qu'il y a une chose à laquelle on n'a pas forcément pensé, c'est que Kiprop, Souliman et Iguider, en plus d'avoir grillé plus de cartouches que les autres, ben ils ont souvent couru dans le deuxième et le troisième couloir. Et ça, c'est un net désavantage dans le sprint final. C'est moi ce que je dirais aussi d'intéressant, là. Je noterais la distance parcourue de chacun des gars. Donc, on sait qu'à l'intérieur du corridor 1, on court 400 mètres. À l'intérieur du corridor 2, on en court 406 ou 407. À la vitesse où ces coureurs-là vont présentement, ils courent entre 6 et 8 mètres secondes. Ça veut dire que littéralement, McLaughlin et Centro, on les met côte à côte dans le dernier tour, dans deux corridors différents. Ben ici, ils font le même tour. Centro va aller chercher 6 mètres sur McLaughlin avec le même rythme. Fait que ça, c'est vraiment une notion importante à garder en tête parce que dans une course extrêmement stratégique comme ça, tout le monde va rentrer dans la même seconde, pratiquement là. C'est comme Centro rentre en 350.00. Puis je pense que le top 9 est tout en bas de 351.5. Ok, donc c'est important de courir dans le premier couloir pour faire moins de distance, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de se faire enfermer justement? Est-ce que Willis a fait le bon choix de toujours vouloir courir dans le premier couloir? Nick Willis, je connais, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois en entrevue, puis dans le fond, sa vision, c'est toujours que tu devrais être à l'intérieur puis courir le moins de distance possible. Puis dans le dernier 100 mètres, dans le sprint final, habituellement, il y a un trou qui va se faire. C'est déjà arrivé dans plusieurs courses que le trou se fait pas ou que le trou se fasse pas avant tard. J'ai un exemple là, tout concret, tout récent, dans le championnat NCAA au 1500, cette année même. Le favori de loin, Mario Garcia Romo de Ole Miss, il s'est fait manger par le peloton puis il était à l'intérieur comme Nick Willis présentement. Mais il y a un gars de l'Université de Washington, un gagnant éventuel, qui est parti comme une flèche avec 250 mètres à faire. Mais comme il était prêt à l'intérieur, il n'a pas pu couvrir le move du coureur de Washington. Donc, le favori en bout de ligne est arrivé deuxième parce qu'il y a un trou qui s'est seulement libéré avec 75 mètres à faire. Mais ce gars-là, tu voyais dans le dernier droit qu'il avait vraiment plus de jus et qu'il était vraiment plus en contrôle que le gagnant éventuel. Donc, oui, quand tu es à l'intérieur, tu cours une distance. Mais en même temps, tu as comme un peu toujours le risque que tu n'auras pas l'ouverture nécessaire pour être capable de t'en sortir à temps. Parce que tu veux être à l'extérieur, courir plus de distance, mais avoir plus de contrôle sur où tu vas être dans le peloton, ou tu veux être à l'intérieur, courir moins de distance, conserver plus d'énergie, mais être potentiellement victime du peloton. Puis ça, c'est comme c'est un jeu, c'est un coup de dé. Pour elle, à chaque course, là, c'est un coup de dé. Maintenant, on peut se regarder la fin de course. On va se la regarder deux ou trois fois pour bien voir ce qui se passe.
Donc voilà, globalement, ceux qui ont dépensé beaucoup de cartouches et qui sont partis derrière le peloton, ils n'avaient plus le jus nécessaire, alors que probablement qu'ils étaient plus en forme que donc Centrovitz qui fait 1, McLoughlin qui fait 2 et Nikoulis qui fait 3 de justesse avec Suliman. On va se le regarder une fois ralenti pour bien voir le niveau de relaxation de chacun des coureurs dans le dernier 100 mètres. Donc là, on voit que McLoughlin, il décale. McLoughlin, c'est impressionnant la course qu'il fait alors qu'il perd quand même pas mal d'énergie dans le dernier virage. On a Nick Willis. À ce moment-là, on croirait jamais qu'il va gagner. En plus, il est un peu enfermé. Iggy Dare, Kiprop, Suliman, il est vraiment à l'arrache. Et parce que McLoughlin est capable d'avancer, c'était un peu un coup de dé. Il a eu de la chance, Nick Willis. Il le suit et il finit 3e. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Personne n'aurait pu justement prédire cette fin de course. Donc ça finit en 3 minutes 50, c'est très lent comme temps, c'est un temps de niveau, je sais pas, régional, 1500 à peu près. Et le dernier lap, c'est du 50 secondes 62, c'est très 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 rapide, un tour, ça fait 2 fois 200 mètres en 25 secondes, donc voilà. Faut imaginer quand même ce que c'est dans un dernier tour. Donc là je vous mets à l'écran le classement final et le classement théorique. Sur le classement théorique, j'ai attribué un score qui reflète le nombre de places que chaque coureur a gagné par rapport au classement théorique, d'accord ? Donc ça permet de distinguer les grands perdants et les grands gagnants dans cette finale. Par exemple, Centrovitz, il a un score de plus 7 car il a gagné 7 places par rapport au classement théorique et il fait partie des grands gagnants avec Willis et Bustos. Alors que Quemoy, il a un score de moins 11 et il fait partie des grands perdants avec Kiprop et Charlie Grice. Donc c'est intéressant de voir que globalement les grands perdants, ils avaient tous gagné énormément de cartouches. Bon, Quemoy, il est carrément tombé, donc on va dire que ça compte à moitié. Il n'a pas eu de chance aussi sur le coup. Et les grands gagnants, ça a été probablement les plus stratèges, c'est ceux qui ont couru dans le couloir 1, qui ont probablement fait un vrai 1500 mètres, alors que les autres ont dû faire un 1520, 1530 peut-être, c'est difficile à dire, mais ils ont couru beaucoup plus de distance, donc il leur a manqué ça dans le dernier 100 mètres. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce 1500 mètres? Cette saison-là, il n'y a pas fait de course Diamond League où il a couru après des temps nécessairement, mais probablement qu'il était en forme pour faire 3:28, 3:29, tu sais, puis... c'est ça que ça prend là, pour gagner les Jeux Olympiques, vraiment. J'en ai parlé avec quelques-uns de ses coéquipiers comme Mohamed Ahmed, qui s'entraîne avec lui présentement. C'est juste un des coureurs les plus talentueux qui existent sur la planète. C'est quelqu'un qui se blesse puis est capable de revenir en forme super vite après. Mais tu sais, à un moment donné, c'est que quand t'es pas capable de bâtir sur beaucoup de momentum, c'est difficile de revenir aussi, là, malgré, t'sais, comme peu importe c'est quoi ton niveau de talent. Ce qui fait en sorte qu'un coureur est capable de rester à un niveau top, top, exceptionnel, c'est juste la capacité d'être en santé, puis plus qu'autre chose, c'est ça qui a été difficile avec Centro depuis 2016. Je trouve intéressant ce que Charlie dit sur le fait que Centrovitz n'a pas fait de course très rapide cette saison-là, c'est comme s'il avait fait un sacrifice. Ok, je cours pas les meilleurs chronos, par contre, je m'entraîne plus, je suis moins fatigué, j'arrive peut-être plus frais au JO. Et c'est possible que cet état de fraîcheur, à la fois physique et à la fois psychologique, ça lui ait permis justement d'avoir plus de ressources, tu vois, cognitives, plus de vigilance, et au final d'avoir gagné la course, malgré que c'était pas le plus en forme. Et ça, je trouve fascinant, qu'en fait, c'est pas le gars le plus en forme sur la ligne de départ qui va gagner la course, surtout sur un 1500 mètres. Sur un 5000, un 10000, ça peut être différent, mais même sur des longues distances, je pense que le côté intelligence de course va vraiment venir jouer sur le classement final. Un bon exemple de ça, c'est à Tokyo. Nicolas Navarro avait fini 12e au marathon. Et selon moi, si on avait regardé le classement théorique, il était loin d'être le 12e homme le plus en forme lors de cette course. Mais ça avait été un de ceux qui était parti le plus conservateur aussi. Et il avait pu finir très fort. Il avait même fini devant Morad Hamdouni qui a fait le record de France quelques mois plus tard. Donc la preuve que Hamdouni était probablement plus en forme. Il avait aussi fait le doublé avec le 10 000 mètres. Est-ce que c'était un bon choix? Selon moi, pas forcément. Donc voilà, quand même des choix qui peuvent venir moduler vos performances. Et c'est ça que je trouvais cool dans cette course. Le truc de Centro, de ne pas faire des courses trop importantes et trop rapides avant aussi, c'est une stratégie que j'utilise depuis à peu près un an et demi. C'est-à-dire de faire beaucoup moins de courses. Et pour moi, ça a vraiment payé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un petit affûtage avant une course, un petit repos après la course qui nous fait perdre au final 3, 4, 5 entraînements. Si vous faites ça plusieurs fois dans une saison, vous allez perdre des semaines d'entraînement avec de la
fatigue. C'est un peu comme si vous grilliez d'ailleurs des cartouches avant votre course importante, et parfois on ne fait pas aussi bien qu'on voudrait dans la course la plus importante, parce que justement on a été un petit peu trop ambitieux et qu'on en a fait trop quoi. Une autre notion que Charles il apporte et que j'aime beaucoup, c'est la notion de momentum. Donc momentum pour Charles, ça veut dire constance pour moi, ça veut dire l'importance de cumuler, d'accord ? Au lieu de faire une séance incroyable, ben, cumuler les séances va être beaucoup plus payant à long terme. Le plus dur en course à pied, quand on s'entraîne déjà à un bon niveau, ben, c'est de rester en santé. Parce que le seul truc qui peut vous empêcher d'être constant, c'est de ne pas être en santé, d'être sur entraînement, fatigue ou blessure. Donc à la fin, ce qui va faire la différence entre un bon coureur d'un meilleur coureur, ça va être celui qui va avoir le meilleur momentum en s'entraînant le plus possible, mais en pouvant cumuler le plus possible aussi. Donc il faut arriver un petit peu à trouver le juste milieu, et ça c'est de l'expérience. Ça prend aussi un bon coach, une bonne équipe autour de soi, un bon équilibre mental, etc. etc. Finalement, pour terminer cette vidéo, il y a aussi le concept de cartouche que j'ai beaucoup aimé de Charles. Ce concept de cartouche, il est vrai à l'intérieur d'une course, de ne pas se dépenser des cartouches, c'est-à-dire d'accélérer trop nettement, trop brusquement comme ça d'un coup. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée en avril de cette année. Donc en fait, j'aidais mon ami Arnaud à faire son semi-marathon, donc je le lapinais, je le paceais. Son but c'était de faire sub 1:11, donc il a fini en 1:10:26 il me semble, donc objectif réussi. Et durant cette course, il y avait un coureur donc qui est parti derrière nous et qui n'arrêtait pas de faire le yo-yo. Donc en fait, ce mec, il est arrivé de derrière, à un moment il nous a rattrapé, et je me souviens qu'on était à peu près au 15e kilomètre, et d'un coup le mec il se met à partir comme ça, comme une accélération vraiment brutale dans un semi-marathon. Donc le mec il part, et un kilomètre plus tard, bah, on le ramasse, et en fait on voit qu'il s'est grillé une cartouche pour rien. Et ça, c'est vraiment 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 un bon exemple de du concept de cartouche, surtout dans une course longue comme ça, où t'as encore 5 ou 6 kilomètres à courir, et donner un coup comme ça, en fait, ça va coûter très cher, alors que ça ne t'a pas donné grand chose, si ce n'est 20 ou 30 mètres d'avance sur un peloton. Donc c'est un truc qu'il faut faire vraiment attention, et notamment sur les courtes distances, mais aussi sur les longues distances comme le marathon. Accélérer brusquement comme ça, c'est très peu recommandé, et en général ton corps te fait payer la facture à la fin de la course quoi. Encore une fois, c'est pas forcément le plus en forme sur la ligne de départ qui gagne. Donc voilà, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez ce nouveau format, ça me ferait plaisir d'en refaire, mais juste dites-le moi en commentaire, c'est quand même long à faire. Je crois que j'ai jamais autant galéré à faire une vidéo, mais en même temps, ça valait le coup parce que selon moi, c'était quand même intéressant. Bref, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, on se voit la semaine prochaine ou celle d'après. Hein. Vous avez vu, le rythme de vidéo a un peu baissé parce que j'ai beaucoup de choses à faire et qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent, mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas. J'essaie d'arriver avec des idées originales aussi. Bonne course les machines, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.